Cartier, l'empereur Tchatchumba la Kachogi. Ah, Badiame Bélé, le roi la paraprise à car arrière et Panzani. Mais pèse à peu Bolingoti. Le président Malik Towé, très très fort. Yoyo Clinton à Abidjan, à Sauce. Associé Nangaï, Kalanenge Manoko et Boilo Kouta et refoulé Paya Miso. Miso Pelo Kula Yalo Bakate, Tangi Sibé Maï. Yibi Mobimba Kotelina Inamidi, Yibi Kakameto, Nasara Nimi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'entends rien là. Bonsoir. Non, j'entends pas. Je sais qu'on n'est pas nombreux. Mais bonsoir. Bonsoir à vous tous. Et je dis re-bonsoir aux gens que j'ai déjà vus. Parce qu'évidemment, on avait marqué 19h sur les invitations, donc je me suis permis à dire merci aux gens qui étaient là avant vous. Donc voilà. Pourquoi est-ce qu'on est ici ce soir? Qui sait? C'est pas un secret, j'imagine. On est ici pour qui? J'entends pas. Vas-y, dis. C'est pas pour moi. On est pour qui? J'entends pas vous. T'as dit numéro. Oui, voilà. On est ici pour le mariage. Voilà, on est ici pour le mariage. On est venu célébrer Cassidy et Véronique. Applaudissez s'il vous plaît. Moi ça aussi. Voilà, on est ici pour un mariage. On a été invités cordialement. On est venu pour soutenir les mariés, les nouveaux mariés. On est venu ici pour les encourager, pour leur témoigner notre amour, pour leur témoigner qu'ils comptent pour nous. C'est pour cela que je vous demanderai encore une fois, n'applaudissez pas pour moi, j'ai pas besoin, mais applaudissez pour les mariés, de sorte que même s'ils sont dehors, ils puissent entendre que vous êtes là. J'entends rien, non, non, non. Est-ce que vous êtes vraiment ici pour le mariage? Moi, je veux que vous fassiez du bruit. Je veux que la salle puisse vibrer. Même les voisins puissent entendre qu'il y a un mariage ici. Vous êtes d'accord avec moi? Non. Ça c'est des petits oui, ça c'est quand on fait fête d'anniversaire. Mais aujourd'hui c'est un mariage. Vous devez vibrer. Vous êtes avec moi? Voilà, c'est ce genre de oui que je veux entendre. Nous sommes ici pour célébrer le mariage de Véronique et Cassidy. C'est pour ça que maintenant je vais vous demander d'applaudir pour eux. Qu'ils vous entendent, qu'ils aient l'impression que la salle elle est remplie. Pour qu'on leur donne envie de venir. Sinon ils ne vont pas venir. On applaudit pour Cassidy et Véronique. Donc bientôt, on va les inviter à rentrer, à faire leur entrée. Je vous demanderai une chose. Vous pouvez vous lever, on n'est pas beaucoup, mais s'il vous plaît, laissez-les vraiment arriver jusqu'à la piste, faire leur première danse, et puis je vous dirai, vous pouvez venir les rejoindre sur la piste. Mais s'il vous plaît, j'ai trop l'habitude de voir les gens se lever, venir filmer, et les gens qui sont derrière, qui n'osent pas se lever, ils ne voient plus. Donc je vous demanderai vraiment de respecter cela. Vous vous mettez debout, vous restez à vos places et vous acclamez au maximum. Et quand ils seront sur la piste et que je vous demanderai de venir, à ce moment-là, seulement à ce moment-là, vous pouvez venir les accueillir sur la piste. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ah, génial, je sens que ça commence à venir là. Vous commencez un peu à devenir chaud, chaud. Encore une fois, est-ce que vous êtes avec moi? Faites du bruit pour Cassidy et Véronique, vous êtes ici pour un mariage ce soir. Merci, merci. Je vais voir maintenant si vos applaudissements ont eu assez de pape sur eux pour qu'ils puissent se lever. Applaudissez-les pour ma mère. C'était l'histoire d'un temps éternel.
Thank you.
Laissez-la s'asseoir, s'il vous plaît.
De Véronique et Cassidy. Mais je tiens juste à dire une chose. Cassidy, mon frère, ce soir, je pense que toute la famille, on est tous là. Et on est tous heureux de voir à quel point tu es heureux ce soir. Ma belle sœur, je sais que tu es déjà contente. Quand même moment, non. Mais prends bien soin de ces messieurs. Prends bien soin de mon frère, parce que je sais qu'il prendra bien soin de toi. Et Zandengenaï, de nature, c'est quelqu'un de responsable. Il a tellement de neveux, de nièces, de frères et sœurs qu'il appelle Yababo. Yababo. Tout ce que je peux vous souhaiter ce soir, c'est plein de bonheur. Que le bon Dieu vous protège. Que la bénédiction vous accompagne. Que le mariage soit pour vous une bénédiction venue de Dieu. Félicitations Babou, félicitations Véronique. Je vous aime énormément en tout cas. Merci beaucoup. Applaudissements s'il vous plaît. Je veux voir de la joie, s'il vous plaît. Qui d'autre veut parler? Qui d'autre veut témoigner son amour? Voilà le papa. Moi, je vais parler beaucoup. Je vais dire d'abord merci, Cassidy. Merci beaucoup. Parce que tu es rentré dans la famille. Et dès le premier jour, tu sais comment je t'ai accueilli, comment tu m'as reçu, ça m'a fait vraiment très chaud au cœur aussi. Je sais comment tu as beaucoup de qualités, je le sais. Et je sais avec tes qualités, les enfants grandiront aussi en bonne qualité. Vraiment, je te remercie pour les enfants, pour mes petits-enfants. Je te remercie pour tout. Et le merci que je te dis là, c'est encore petit.
je pourrais te dire encore plus que merci, mais je ne trouve pas les mots. En tout cas, que Dieu vraiment est avec nous. Merci. Cassidy, merci. Véronique, toi, je vais te dire, je sais que tu es une grande maman. Je sais que tu as gardé mes petits et mes enfants. Nathan, quand il était déjà tout petit, il est devenu ce qu'il est. C'est un peu grâce à toi aussi. Vraiment, je sais que comment je vois Nathan grandir, je sais que tes enfants grandiront la même chose. Vraiment, comme on l'a dit tantôt, que la bénédiction de Dieu, que la bénédiction d'Allah vous accompagne tout le temps. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous deux. Je vous aime. Quelle émotion! Si ça, c'est pas de l'amour, si ça, c'est pas de l'amour charitable, si ça, c'est pas de l'émotion qu'on donne à sa fille et à son beau-fils qui est devenu fils. Chez nous, il n'y a pas de beau-fils, il y a des fils et des filles. J'aimerais encore demander qui veut prendre la parole pour montrer leur amour à Cassidy et à Véronique ce soir. J'entends pas! J'entends pas! Fabien, on te réclame. Où tu es, Fabien? Où tu es? Un peu d'applaudissements. Est-ce que je peux parler en swahili? Est-ce que je peux parler en swahili? Vous m'excuserez. Maman Vego, karibu. Karibu sana. Kasidi, unajua jine yungayo. Kasidi à Lukongo, on n'appelle jamais Kasidi tout seul. On appelle Bwana Mwinyi Kasidi. Ou Sultani Kasidi. Maman Vego, tu as une grande responsabilité dans cette famille. Tu n'es pas la première à venir des Noirs pour entrer dans la famille. Nous sommes venus des Noirs, pas des Rokongo, pas des Kim. Mais je t'assure qu'avec l'amour, avec le respect, avec la tolérance, tu seras vraiment Maman Véro. Chez nous, on ne t'appelle pas Véro, tout le monde t'appelle Maman Véro. Le mot maman a une grande signification. Cassidy, je vous souhaite un grand, grand, grand bonheur. Au nom de toute la famille, au nom de toutes les mamans de Mwinyi, Yambi Véronique. Tu n'es pas seule, tu es avec beaucoup, 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 beaucoup de mamans. Ta belle-mère, on la prénomme, nous l'avons surnommée professeur. Sois à son écoute et tu apprendras beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Un peu de bruit, s'il vous plaît. On est ici pour qui? On est ici pour qui? Muninga Bali, c'est Pena. Maboko, vous mettez Maboko, Muninga Bali. Merci, je vous passe encore quelqu'un. Bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes venus pour ce mariage de Cassidy, enfin avec Véro. Je ne sais pas. En voyant Cassidy comme ça avec Véro, on a traversé de longs, longs, longs moments et de bonnes et de mauvaises périodes. Eux-mêmes le savent. En voyant qu'ils ont des enfants, en voyant leur parcours, ils méritent vraiment des applaudissements. Je suis son ami, on a étudié ensemble, on a parcouru beaucoup de moments. J'ai manqué même de mots pour exprimer mon amour envers eux. Mais ils connaissent dans leur cœur ce qui
la boule que j'ai à l'intérieur de mon cœur. Pour ce mariage, en tout cas, je leur souhaite le meilleur chemin comme ils ont déjà commencé, qu'ils puissent terminer comme des personnes âgées, à deux toujours dans une même chambre, entourés des petits-enfants, entourés des grands-enfants. Vraiment, ça sera pour moi le couronnement de tout leur amour qu'ils ont depuis qu'ils ont commencé ensemble. On est encore... Je ne veux pas dire tous les détails, mais je sais comment c'était. Et aujourd'hui, en vous voyant là devant, je me dis que Dieu est grand. Je dis Dieu est grand pourquoi? Parce que je connais tout ce que vous avez traversé aussi. Les difficultés que vous avez eues, tout ça, je le sais. Et là, je parle au nom de toute la famille Cassidy, la famille... Famille Mouni, on voudrait tout simplement vous dire merci. Merci parce que vous nous avez honorés. Vous êtes allés jusqu'au bout de ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, c'est votre jour. Et on est fiers de vous. On est fiers de ce que vous nous avez montré. Et nous sommes là. Nous sommes là pour vous suivre. Pour aller avec vous jusqu'au bout. Et nous allons toujours être avec vous. Donc nous remercions tous d'être venus d'ailleurs. Et merci beaucoup pour eux aussi. Et j'ai trop de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Mais que Dieu soit avec vous. Oui, oui. Ça, c'est un beau témoignage pour le frère. Oui, c'est vrai que le mariage, c'est pas facile pour ceux qui sont déjà dedans. Vivre avec quelqu'un, c'est pas facile. Mais quand on entend tout ce genre de choses, on n'oubliera jamais le 6 juillet. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut prendre la parole? Il n'y a plus personne qui se dévoue? Mais ça va, s'il n'y a plus personne qui veut parler, moi aussi je vais pouvoir poser mon édifice à Véronique et Cassidy. J'aimerais aussi vous dire quelque chose. Cassidy, la parole déclare que celui qui a trouvé une femme, une bonne femme, a trouvé le bonheur. J'ai beaucoup réfléchi à chaque fois avec ce mot, pourquoi on a rajouté bonne femme. En Véronique, je t'assure, je ne la connais pas de longtemps, mais il y a des choses qui ne mentent pas. Il y a des attitudes qui ne mentent pas. Je sais, en ayant vu Véronique, que tu as trouvé une femme virtueuse, que tu as trouvé la bonne femme qui te convient à toi. Et j'aimerais vraiment t'encourager d'être ce bon mari où la parole déclare « Marie, aimez vos femmes ». Mais il y a aussi un secret dans le mariage. Pour les gens qui sont mariés, peut-être vous le diront, c'est toujours le dialogue avant tout. La compréhension, l'entendement. Toujours s'écouter et ne jamais prendre position. Toujours s'écouter et ne jamais décider que c'est moi qui ai raison ou c'est toi qui as tort. Mais toujours laisser la place à autrui. Vrai ou faux, les gens qui sont mariés? Qui est marié ce soir? Nani Tchelacha l'opecte. Nani Zela l'opecte dans le monde. N'est-ce pas? N'est-ce pas que les femmes mariées, les hommes mariés pourront vous le dire? Et moi, je rajouterai encore une chose. Aujourd'hui, malgré que ça fait quelques années que vous êtes ensemble, malgré que vous avez déjà deux enfants et très beaux enfants, Dieu vous a bénis. Mais sachez qu'aujourd'hui, c'est le beginning de votre mariage. C'est le commencement du vrai mariage. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, vous vous êtes officialisé devant les hommes, mais aussi devant Dieu. Donc, c'est comme si vous avez prêté serment devant Dieu et vous avez demandé qu'il soit à la troisième porte de votre union. Que Dieu soit toujours au milieu de vos décisions. Que Dieu soit toujours au milieu de vos pensées. Que Dieu soit toujours fidèle. Que vous soyez toujours fidèles avec Dieu. Et Dieu continuera à vous bénir parce que c'est son institution. Aujourd'hui, vous avez honoré l'institution de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a décidé. Ce n'est pas l'homme qui a décidé que l'homme et la femme devaient se marier. C'est une institution de Dieu qui vient seule de Dieu. Donc aujourd'hui, je vous félicite. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu
vous procure beaucoup de bienfaits, qui vous comble dans tout ce que vous n'avez pas encore et qui marche vraiment avec vous. Bonsoir à tous. En fait, j'aimerais dire quelque chose à Véro et Cassidy. Merci à toi, Cassidy, d'avoir fait de ma soeur une femme de valeur qu'elle est aujourd'hui. Et merci d'être les grands frères que tu es pour moi. Je te remercie vraiment du fond de mon cœur. Parce que tu es toujours là pour moi. Merci beaucoup, papa. Merci d'être toujours là pour moi. Tu m'aides beaucoup avec tes conseils. Je n'ai pas gagné un grand frère. Et je n'ai pas gagné un bon frère, mais j'ai gagné un grand frère. Amen. Merci vraiment d'être à ma celle qu'elle est aujourd'hui. Et à toi, peut-être je ne t'ai jamais dit que je t'aimais beaucoup. Mais tu es une sœur vraiment exceptionnelle. Tu es exemplaire pour moi. Et je t'admire beaucoup. Et je remercie le Seigneur pour cette merveilleuse journée. Tout a été bien et on continue. Ma chérie, je suis toujours là à côté de toi. Merci beaucoup Agnès. Merci. Merci. Et merci à tous. J'aimerais simplement que vous puissiez applaudir Maman Angèle pour son anniversaire ce soir. Faites du bruit pour Maman Angèle, s'il vous plaît. Elle le mérite. Elle a été là pour beaucoup de choses. C'est une brave femme. Donc j'aimerais vraiment que, même si vous pouvez faire stand-up. Je perds mes mots. Excusez-moi. S'il vous plaît, levez-vous et tonnerre d'applaudissements pour Maman Angèle. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Maman Angèle, mon épouse. Et à cette occasion, je voudrais vraiment, 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 de tout mon cœur et toute sincérité, vraiment te remercier, Angèle. Car tu as changé ma vie. Tu m'as donné des enfants merveilleux. Tu m'as fait comprendre la valeur de la vie. Tu me soutiens, tu m'as donné une famille. Vraiment, si aujourd'hui, vraiment, je suis avec vous, tout ça, c'est grâce à elle. Et vraiment, je lui dois vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de reconnaissance. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. C'est une grande parenthèse, parce que elle le mérite. C'est le jour du mariage de Maman Angèle, une maman qui compte beaucoup pour Véronique. Donc c'était la moindre des choses de ne plus que la mettre un peu en honneur. Ce genre de femmes, elles n'ont pas besoin de se montrer. Il faut les sortir. Parce que d'elles-mêmes, elles ne seraient jamais sorties. Et elles auraient laissé passer ça. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que c'est le jour de Véronique et Cassidy. Un grand merci encore pour vous. Soyez bénis abondamment. Soyez rassasiés de vos jours. Voilà, voilà, un grand merci. Donc maintenant je sais. Avant que j'aie dit ces mots, je prends la parole
Certes, il y a des prêtres dans la salle, il y a des pasteurs dans la salle, il y a même l'enseigné dans la salle, mais je prends la parole comme les fils et les garçons et j'ai béni la table qui va nous accueillir ce soir. Béni Seigneur, la table accueillante. Béni la nourriture que nous allons partager. Béni la source des provenances. Béni ceux et celles qui l'ont rendu possible. Que qu'en la partageant, nous ayons un amour paternel considérable. Fait qu'en la partageant, les heureux mariés puissent consolider leur amour, qu'ils s'unissent davantage et qu'ils deviennent plus un que l'unité de la Bible. Telle est notre prière, au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Chéri na ngaye lobaka na ngai bolingo yanga na yo ataliweka kabolate pourquoi yo bongoli monte malikola likambo moke papa oniro kananga utakala chachumbala oniro kangelanga kanana mutema. Le procureur Jean Mukenge Sala, mon colonel Rouse, major Delphine. Chacho na kanisa ki boli na mazala ki a solo. Zoko kosa kanana ye. Na kanisa ki boli na mazala ki a solo. Chacho profite la faiblesse pa moi bien kote linga na nako. Na midi. Na na sali boza ba portable re re chiffre mo kweso ne pa ya. Moto mo susu.
Jacques Botulou, ancien combattant. J'invite les parrains à venir danser avec les mariés.
cadeaux, vous pouvez les déposer sur la poste. Thank you.
pena. Non, still can get another guy to lead and go away. If you are being away, just kick down on one knee. Legalize somebody. Kevin, vas-y, balance-moi quelque chose histoire de voir s'ils sont chauds. On y va. Stop, Kevin. Ah, ils sont pas chauds là. Là, je vois personne. Ma soirée, ils vont avoir vie. Baswahili. Seul. Il est là-bas avec nous ce soir. Papa Mabasa. Masimango. Les Cobra. Seul. DJ Kevin. Bébé. Allez, Tokéi. Malome, malome. N'allez-y dans mon amateur, on revient à l'élo. Je vais voir tout le monde sur la piste de danse. Un.
L'enfant de sûrement, les millionnaires au franc-congolais, il est là parmi nous ce soir, Emmanuel Ogna. Merci de la présence. Papa m'a pas ça. Dorcas, on y va. Non, je vais pas faire monter l'autre côté. Tout le monde de l'autre côté. Je vous donne la chouette. C'est bien que dans un moment, on vous abale. Allez, on y va. Je vais voir tout le monde de l'autre côté. Que la fête commence. Allez, ma soeur, on y va. Cassidy, Sandrine. Je vais voir tout le monde de l'autre côté. Les millionnaires ont fait un peu. Parce que vous avez trop mal, on y va danser. Here we go! La promotion! On y va, c'est parti. DJ Kevin, allez balance. Et ma sœur en Christ. Here we go. Allez, va dans la rue, va dans le bureau. On va aller de l'eau. Roule la seconde à seconde. DJ Kevin. Sylvain Cassidy, Sylvain Cassidy. Ah, Samir et Diwani. DJ Kevin dans ses œuvres. C'est parti. Et Sylvie, Liva la Véro, et Sylvie, Liva la Cassidy, et Sylvie, Papa Docteur, Papa Docteur, Papa Docteur, Papa Docteur, ah, Docteur Cassidy. Justine, elle est là-bas pour ce soir. Il est gangélingéli. Voici Bango pour Ramas. Il est là-bas pour ce soir. Papa Mabasa. Et Sylvie. DJ Kevin, Sakala Nagodi, ambiance! On y va! Ça va! Merci. Wow!
Maligua le basolo la bien. La team Belibino. DJ Kevin. Se. Acha. Maman va pas ça. Quoi ça? Allez, c'est parti. Allez, on y va. Allez, c'est parti. On y va. C'est comme ça que ça se passe. Dadawa! Sagala Nago! Tassini! Nina Yaya! Hey! Hey, Dorcas! Sagala Nago Dorcas! Pour que vous savez, Dorcas aux Ampis! Où es-tu, Dorcas? Rien qu'à vous y dire! Des joueurs de Bruxelles, des joueurs de Jésus, il est là parmi nous ce soir, le frère Flèche. Babou Solo! DJ Kevin on the remix, des joueurs de Bass, il est là. Allez Véronique, la qui s'appuie sur le bon bâti. La qui s'appuie sur le bon bâti, c'est le bon. On y va. Seul. Sylvain Cassini. Allez, Véro, on y va, Véro. Continue à Camboy. Mélissa!
On y va. Allez, tombe la bureau, tombe la bureau, tombe la bureau, on y va. On y va. Et Juan de Bruxelles. Cacabo. Allez Babou, on y va Babou, ok. Y'a un bout de bain, on y va Babou, veste, tabine, bien. Bonjour, on y va la veste, tabine, bien. Comment on a l'oukette, tu l'as? Allez, allez-y. Comment on a l'oukette, tu l'as? Allez, ok. DJ Kevin et Lévi. Allez, c'est parti. C'est parti. Hello, cash.
Et tout le monde fait des opérations. Mais tu vois, on a de passion. Mais on a de passion.
Thank you.